En fait, le Maroc l'était déjà comme un acteur clé à travers d'abord son action diplomatique, le fait qu'il ait fait de la cause palestinienne une cause nationale sacrée, à travers le rôle joué par Sa Majesté le Roi en tant que président du comité Al-Quds, avec toutes ses activités économiques et politiques dans cette région. Mais maintenant, la période, la séquence guerrière que nous sommes en train de vivre et que tout le monde appelle à sa fin, va voir quels sont les possibles intervenants, quels sont les pays qui ont suffisamment de crédit politique, qui ont suffisamment de confiance, qui inspirent suffisamment de confiance aussi bien aux Israéliens qu'aux Palestiniens pour qu'il puisse y avoir un rôle. Pourquoi pas demain une médiation, pourquoi pas demain une réunion internationale organisée au Maroc pour pouvoir envisager la séquence à venir. Non, cette action que vient de faire le Maroc n'est pas anodine. Le fait qu'il soit la première puissance à avoir acquis cette possibilité de faire parvenir les aides par voie terrestre en dit long sur le rôle potentiel que pourrait jouer le Maroc dans cette crise. Et on voit très bien que le Maroc a fait jouer aussi ses relations privilégiées avec les côtés israéliens et il est en train de démontrer aussi aux Palestiniens qu'il a été toujours et qu'il est toujours à leur côté pour les aider sur le plan humanitaire, mais aussi sur le plan d'une recherche d'un compromis, d'une solution politique avec les Israéliens pour que justement cesse cette guerre.